Bien, donc cette présentation va être faite par Étienne et moi-même. Nous sommes deux formateurs référents des temps plein guitare et puis des CAP guitare. Voilà, donc on va vous présenter cette formation, à la fois le CAP et puis le BMA. Alors, on va se lancer. Juste pour s'organiser un petit peu, on va faire cette présentation en deux parties. C'est-à-dire que là, on va utiliser notre présentation là, que vous aurez en images avec des photos illustrées, etc. Pour tout ce qui est questions, il y aura une deuxième partie après cette présentation. On vous dira à quel moment commencer à poser vos questions dans un second temps. Donc, effectivement, pendant la conversation, pendant notre présentation, vous pouvez éventuellement. Non. Ce serait bien déjà être sûr que vous ayez tous vos micros éteints. Voilà. Veillez à ce que tous vos micros soient éteints, qu'on n'ait pas d'interférence et qu'on puisse dérouler sans problème. Et puis, comme je vous ai dit, à la fin de la présentation, il y aura une partie de questions. N'hésitez pas à privilégier d'abord le chat. Nous, on a sur la partie droite, vous avez la possibilité de poser vos questions, même si ça vous vient pendant notre présentation. Et puis après, pendant la partie questions, il y a aussi la possibilité de faire une petite main levée que vous avez en bas de votre écran, normalement Meet. Voilà, pour poser dans un second temps les questions à l'oral, si vous le souhaitez. Mais effectivement, vu le nombre de personnes, là on est à 32 participants. Pour la clarté et pour la compréhension de tous, il est préférable qu'il y ait de préférer le chat. Et puis ensuite, c'est possible de lever la main et poser une question à l'oral. On vous donnera le top départ, le cas échéant. Voilà. Bien, on va partir. Sachez aussi, je n'ai pas tout à fait fini mon introduction, c'est que là, nous allons présenter la formation technique, le déroulement, le temps, le matériel, les lieux, les personnes, voilà, les locaux. Et en tout cas, on va démarrer par des généralités par rapport à comment se passent les différents diplômes. Tout d'abord, l'ITEM, on prépare deux diplômes différents. En section guitare, il y a le diplôme du CAP et le diplôme du BMA. Le CAP est axé sur la réparation, maintenance, réglage des guitares électriques et acoustiques, de tout type de guitare. Et le BMA, lui, est axé sur la fabrication, guitare électrique, guitare acoustique, et des réparations plus importantes, touchant entre autres au vernis, au frettage de touches vernis, etc. Le CAP se déroule de deux manières différentes. Il va y avoir soit la formation en alternance ou soit la formation en temps plein. Donc, la formation en alternance, elle se déroule en 2 ans. Elle est réservée à un public à moins de 30 ans. Voilà. Donc, réservée plutôt à un public jeune. Pour rentrer dans cette formation, il faut trouver d'abord un maître d'apprentissage. L'apprenti est payé sur une base du SMIC, mais tout ça va vous être détaillé sur la réunion de demain. Un pourcentage du SMIC. Un pourcentage du SMIC. Et ensuite, la formation temps plein, elle, se déroule différemment. Déjà, pour rentrer dans cette formation, il va falloir déposer un dossier. C'est une formation, il y aura donc lecture du dossier, sélection du dossier, et puis une deuxième phase avec des entretiens de sélection. Cette formation est payante et se déroule sur 1 an avec des périodes de stage. Voilà les deux grandes différences pour le CAP qui peut se dérouler du coup de ces deux manières différentes. Le BMA, lui, par contre, se déroule que d'une seule manière. Le BMA va se dérouler sur 2 ans en apprentissage en alternance, c'est-à-dire qu'il est toujours réservé à des personnes de moins de 30 ans. Voilà pour ces généralités qui seront développées demain soir. Oui, et pour accéder au BMA, il faut évidemment avoir le CAP auparavant. Sinon, vous ne pouvez pas y accéder. Voilà. On démarre. On va démarrer. Alors, c'est Attends, parti. je... Oui. Non, c'est bon, c'est parti. Donc,
le CAP réparateur de guitare, que ce soit en alternance ou en temps plein, les programmes sont exactement les mêmes. Simplement, sur la formation en alternance, ça va être fait sur du temps plus long, puisque c'est sur 2 ans. Mais l'examen est le même, le contenu est le même, les formateurs sont les mêmes, quasiment, et il n'y a pas de différence. Alors, cette formation, là, on commence par le module bois, parce que, en général, c'est la façon dont on commence avec les temps pleins. Ce module, donc, c'est juste pour vous apprendre au minimum à vous servir de vos mains et puis de quelques outils manuels, donc les rabots, les ciseaux. Et pour se servir de ça, il faut apprendre à les affûter, première chose. Donc, vous apprenez à affûter, à tracer des choses qui sont relativement simples et puis à utiliser vos outils sur des exercices qui n'ont d'abord rien à voir avec la guitare, hein, comme vous pouvez voir sur la photo en haut à gauche là. Et puis après, petit à petit, on va se rapprocher des pièces de guitare. Vous avez un chevalet de banjoline qui est ici là. Et puis autrement, on a un chevalet autrement de folk qui est au-dessus. Vous apprendrez forcément aussi à faire de la lecture de plan pour pouvoir réaliser les pièces, puisque de toute façon, toutes les pièces que vous ferez seront faites d'après des plans et vous devrez respecter les cotes. Ça va? Ça, je vais pas trop vite. J'ai pas de réponse. Ah, si, bon, yeah, très bien. Vous ferez aussi de la fabrication de gabarits pour réaliser différentes pièces. Et puis, vous apprendrez à vous servir de machines électroportatives, hein, c'est-à-dire principalement les défonceuses. En ce qui concerne la scie à ruban, la dégauchisseuse, la raboteuse, ça, ce sont plutôt des outils qui vont être utilisés en BMA. L'idée, c'est que sur la défonceuse, vous soyez parfaitement autonome à la fin de la formation, voire avant, évidemment. Je vais continuer pour la suite de la présentation qui touche plus précisément aux guitares. Toujours pour la formation du CAP, le CAP, pendant cette formation, nous allons développer plusieurs axes. Donc, le réglage des guitares électriques, la fabrication de scie et à travers ça, le réglage des guitares acoustiques. Nous aurons également un gros module câblage, pas mal de choses aussi sur le frettage, donc vous apprendrez à réaliser des frettages. Vous aurez un module de réparation, de réparation, initiation à la réparation à travers la fracture de tête et le recollage du chevalet. Et à la fin, vous aurez le module bois dont Pierre vient de parler. Et vous aurez aussi à la fin de la formation un exercice qui est à la fois un montage entre le montage et la fabrication d'une guitare électrique. C'était une Telecaster jusqu'à maintenant. On propose un nouveau modèle inspiré de la Jazz Master. Et l'idée, en fait, c'est de refaire. Je vais trop vite? Ok. L'idée, c'est que cet exercice serve de synthèse. C'est-à-dire qu'on va refaire effectivement sur cette guitare. Sur cette guitare, on va réutiliser les défonceuses, on va refaire du travail bois, réaliser des défonces, réaliser un frettage, réaliser des sciés, faire tout le montage et dans un contexte qui vous presque d'une fabrication. Donc ça permet de prendre un peu de recul sur toutes les techniques qu'on a vues pendant la formation. Et en même temps, ça vous permet aussi d'avoir la satisfaction de repartir avec un instrument sous le bras à la fin de la formation. Et ça, cet instrument réalisé que vous suiviez la formation en alternance ou en temps plein. Plus précisément, voilà, le module réglage, on va apprendre à appréhender un instrument, c'est-à-dire comment on le regarde, comment on le diagnostique. Ça, c'est plutôt à la fin de la formation, quand on a déjà quelques notions techniques. Tout ce qui est installation des cordes, régler le creux de manche, effectivement, régler un scié de tête, régler la hauteur des cordes, la justesse. On apprend également à régler les chevalets fixes, vibrato, donc tout type de guitare électrique. Pour la suite, pour le câblage des guitares électriques, le but c'est déjà d'apprendre à câbler à partir d'un plan.
C'est une chose déjà de bien de savoir lire un plan. Ensuite, on va apprendre à souder proprement, c'est-à-dire faire de belles soudures, un chemin de câble qui soit esthétique, non pas juste fonctionnel, mais on va aussi insister sur le côté esthétique qui, dans les réalisations modernes, prennent aussi cet esthétisme prend une place prépondérante. Nous irons aussi aborder d'autres choses plus complexes, c'est qu'on vous apprendrait aussi à réaliser des modifications, à comprendre comment ça fonctionne, à essayer de vous approprier un câblage, savoir comment il fonctionne et éventuellement procéder à des modifications de ce même câblage. Nous verrons le fonctionnement des micros, des composants. Comment fonctionnent aussi les micros double bobinage, comment fonctionnent des composants comme les push-pull, et voilà, tout ce qui compose un câblage passif. Ensuite, comme je vous disais dans mon sommaire, on apprendra aussi à réaliser des sciés à partir de pièces en os, et à travers ça, comme je vous disais, le réglage des guitares acoustiques. Ensuite, pour la suite du programme, la planification de fret. On apprendra à lire la géométrie d'un plan de fret. On évoquera aussi le recollage des frets, la réalisation d'une planification de fret dans son ensemble, de A à Z, et ses conséquences. Araser et arrondir les frets, polir les frets. Bon, ça, c'est une partie des étapes concernant la planification de fret. Ensuite, plus précisément, on ira encore un peu plus loin à travers dans le frettage. Vous réaliserez plusieurs frettages et donc planification durant cette formation. Le frettage, on en fera de 5 à 6 durant la formation. Donc, à travers ces frettages, on ira assez loin dans la précision, l'exigence. On essaiera d'élever le niveau à chaque étape de la formation. Ensuite, je vous ai dit qu'on fera une initiation à la réparation. Je parle bien d'initiation parce que la réparation, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Parce que pour chaque cas de réparation, on va avoir à s'adapter et il va falloir adapter les techniques à adopter pour ces réparations. On apprendra à faire des retouches de vernis, à faire des collages, à s'adapter aux collages, aux fractures qu'il y a sur la guitare. Les deux opérations sur lesquelles on s'exercera seront, comme je vous ai dit tout à l'heure, la fracture de tête et le recollage de chevalet. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, voilà. C'est que lors du début de la formation, que vous suiviez la formation en alternance ou en temps plein, on vous donne en début d'année une guitare. Donc, je dis bien donner. Il n'y a pas de somme supplémentaire à verser. On vous donne une guitare sur laquelle vous allez réaliser des sciés, des frettages, des planifications, des réparations. Et cette guitare, vous repartirez à la fin de la formation avec. Et bien sûr, l'idée, c'est qu'elle soit toujours jouable. Un exemple ici de la fracture de tête. L'idée, c'est de partir d'une tête cassée, comme vous voyez à gauche, et puis d'arriver jusqu'à une fracture invisible avec une étape de revernissage. L'idée étant de s'adapter aussi à des conditions plutôt magasin. Le CAP prépare d'abord à tout ce qui est réparation, maintenance, réglage. Et on initie à des techniques qui peuvent être utilisées dans des magasins avec peu de matériel, comme des bombes à vernis. Donc on va aborder le vernis à la bombe, mais aussi le vernis au pistolet dès le CAP sur la réparation de fractures de tête. Mais c'est vraiment une initiation, ce sera très rapide. La vraie formation sur le vernis, elle est plutôt réalisée en BMA à travers le vernissage de la guitare électrique et de la guitare acoustique. Là, vous voyez ici quelques opérations de décollage de chevalet, où l'idée, c'est de démonter un chevalet existant et d'en réaliser un autre partiellement, mais une bonne partie des étapes seront réalisées par
les élèves, et enfin de le recoller et de refaire tout ce qu'il faut pour remettre en corde ce même cheval. Merci bien. Là, ces photos illustrent une réparation qui peut être... Je ne m'étalerai pas trop dans les... Ah non, je m'excuse, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est la fin de la réparation de chevalet. Donc, on réalise une nouvelle rainure dans un chevalet. Et ça peut, on voit aussi le rebouchage et le rainurage d'une rainure de scié de chevalet qui permet aussi de pallier parfois, dans certains cas, à des problèmes de renversement du manche. Mais je me m'étalerai pas trop sur ces questions techniques. Ne m'en veuillez pas. Et ensuite, pour la fin de la formation, comme je vous disais, il y a un exercice, le montage, réalisation de la Telecaster. Donc, au début de cet exercice, on vous donne d'un côté un manche qui est pré-usiné, où il n'y a pas encore de fret, mais le bois est nu, c'est pré-usiné. Et d'un autre côté, on a un corps qui est juste détouré. Et tout le reste des opérations seront réalisées par les élèves. C'est-à-dire, là, comme présenté ici, vous avez à enlever de la matière dans le corps pour l'alléger. Vous avez aussi une table qui est rajoutée, rapportée, collée sur le corps de la Telecaster. Donc, il y a ces deux parties, deux planches de bois à jointer, puis détourer, ensuite coller sur le corps, réaliser quelques défonces. Et ensuite, montage de la guitare, c'est sûrement sur les diapos suivantes. Pierre, s'il te plaît. Mais tout à fait. Merci. Ah, directement les résultats. Il y a des choses qui n'apparaissent pas. Mais en tout cas, voilà les guitares. Ça, c'est les guitares qui ont été faites il y a 2 ans. Il y a quelques petites options sur lesquelles vous pouvez vous exprimer, mais l'idée, c'est vraiment pas de rentrer dans un processus de création, ne vous détrompez pas, c'est que l'idée, c'est de suivre un plan, comme disait Pierre, et de bien réaliser la guitare, c'est-à-dire déjà suivre les cotes, aller faire toutes les opérations, donc là, sur cet instrument, c'est... plusieurs dizaines, voire centaines d'opérations à réaliser. L'idée, c'est d'avoir une guitare qui soit parfaitement jouable, qui soit bien finie, bien réalisée, le câblage qui soit fonctionnel, le fretage qui soit absolument parfait, le scié qui soit parfait, le réglage. Voilà, c'est là-dessus qu'on va insister et pas sur le côté design. Ça, c'est quelque chose qui sera abordé. Qui sera très peu abordé à l'item. Ce qu'on veut, nous, notre but, en tout cas, c'est d'apprendre à réaliser correctement une guitare. À partir de plans, certes, il n'y a peut-être pas le côté créatif que certains rechercheraient, mais l'idée, c'est d'apprendre toutes les techniques qui vous serviront à réaliser une guitare parfaite. Voilà. Nous passons maintenant sur le contenu du BMA facture instrumentale. Juste avant, ouais. Là on est sur le contenu technique, mais il y a aussi toutes les matières transverses qui vont être abordées, puisque ça représente la moitié de la semaine, à peu près, hein, moitié de semaine atelier, moitié de semaine en salle de cours. Et donc vous aurez différentes matières qui sont de l'organologie, de la musicologie, de l'acoustique, de la gestion, de l'art appliqué, relations clients, anglais, un petit peu de maths professionnelles et puis du dessin technique. Voilà. Donc, toutes ces épreuves-là, toutes ces choses-là, bon, il y a un examen final et vous êtes interrogé sur toutes ces matières à la fin de la formation. Concernant le BMA, vous retrouverez les mêmes matières, mais forcément à un niveau plus élevé. Et là, sur le contenu technique, cette fois, l'énorme différence, comme disait Étienne tout à l'heure, c'est que là, on est sur une fabrication et ça va plus être destiné à des personnes qui veulent faire de la lutherie. Il faut être en alternance, il faut avoir un employeur pour suivre cette formation. Et si vous suivez une formation dans un magasin, ça va être beaucoup plus difficile pour vous parce que là, on travaille, quoi. On part de la bille de bois et puis on doit arriver à faire une guitare.
La première que vous ferez, c'est donc le modèle Les Paul qui est ici. Donc vous partez à partir d'un plan et là on est plutôt vigilant là-dessus. Et puis vous apprenez à vous servir des machines à bois, que ce soit la scie, que ce soit la circulaire, la scie à ruban, dégauchisseuse, raboteuse, etc. Et puis c'est vous qui allez donc débiter complètement votre bois à partir de planches comme vous pouvez voir là. Et vous allez petit à petit composer le corps en l'ayant collé, en faisant plusieurs parties qui sont collées ensemble. Vous passez à la scie à ruban, vous allez faire les défonces, toujours le même principe, mais simplement vous faites tout. Alors que en CAP, le corps vous était fourni, le manche était fourni. Ici, ben, vous partez des planches, quoi. Ici, on voit que là encore, c'est vous qui allez réaliser le manche complètement, avec un collage en sifflet pour donner un angle. Et puis, il y a une rainure de truss-rod, il y a une tête qui va être parfois personnalisée. Ça dépend du niveau des élèves et puis de la façon, la vitesse d'avancement, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Sur cette guitare, il y a un petit module d'incrustation de nacre. Il y a un luthier qui vient pour nous expliquer son savoir-faire et on va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Est-ce que ça marche? Non, il ne marche pas celui-là. Et bien, on va pas vous le montrer là. J'ai pas de... Ah si, c'est bien. On sent ça. Bon, on avait un film sur cette étape-là, on en profite, mais c'était le seul film, tout n'est pas à ce niveau-là. Donc après, pour... Réalisé par les élèves. Réalisé par les élèves, oui, bien sûr. Donc sur cette même guitare électrique, on continue, il y a l'étape où on va jointer le corps et le manche. Sur cette guitare, c'est un manche collé, donc il y a pas mal d'ajustements à faire et qui sont définitifs au niveau de l'assemblage du corps et du manche. Donc déterminer le renversement de la guitare pour respecter la géométrie, assembler le manche de guitare électrique à un corps par collage respectant le renversement. Bon voilà, faut que ce soit géométriquement, faut que ce soit parfait pour que la guitare soit jouable à cette étape-là. S'il y a quelque chose qui va de travers, la guitare
il y a de très fortes chances qu'elle ne soit plus jouable. Depuis 2 ans, les élèves réalisent leurs micros également. Donc, ils réalisent des châssis et ils bobinent les micros. L'idée aussi, c'est de proposer de faire aussi nos petites expériences, c'est-à-dire que les élèves choisissent de bobiner avec tel type d'aimant, tel type de fil, et ensuite de choisir le nombre de tours, ce qui va avoir des impacts plus ou moins importants, parfois non, suivant les critères retenus, mais plus ou moins importants sur la sonorité. Voilà, donc ça c'est vraiment très chouette de réaliser cette opération. Là, depuis 2 ans, on est très content de faire ça aussi. Voilà l'une des réalisations, une des guitares réalisées par l'élève que vous voyez en haut à droite, aujourd'hui installée. Et puis d'autres réalisations ensuite, plusieurs personnalisations. Mais comme vous voyez, ici à l'item, l'aspect artistique, créatif, est toujours assez limité. Mais ça, c'est voulu. Déjà parce qu'on a un temps donné, limité, de formation lors de cette formation de BMA. Et aussi parce que le but, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est de savoir bien réaliser une guitare. Si on partait tout de suite sur l'aspect créatif, on n'aurait pas la possibilité d'accompagner de manière suffisamment suivie les élèves pour que l'opération, la guitare, soit bien réalisée au final. Voilà, donc là, le modèle pour ce BMA, cette première année de BMA, c'est une Les Paul maintenant spéciale, junior, et spéciale, puisque maintenant, il y a 2 micros réalisés sur les modèles depuis l'année dernière. Une classe contente. Voilà. Et ça, c'était il y a 2 ans. 3 ans. 3 ans maintenant. Je vous laisse le temps de les regarder, quand même. Donc, il y en a 1, 2, 3 qui se sont installés chez ces gens-là. Ils ont tous eu leur BMA. Et 3 se sont installés. Ensuite, je voudrais juste revenir, pas aller trop vite, c'est que sur la première année, il y a donc la fabrication de cette guitare Les Paul Junior. Il y a aussi, mais ça n'occupe pas tout le contenu du BMA. Il y a aussi un module de réparation que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, de refrétage de manches vernies type érable, qui demande plus de maîtrise que ce qu'on fait, ce qui est fait lors du CAP. Autre chose, c'est qu'il y a un module de réparation aussi de changement de truss rod, c'est-à-dire qu'on va retirer la touche d'une guitare et insérer un nouveau truss rod dans le manche et remettre une nouvelle touche de guitare. Et aussi, ce qui va être évoqué, c'est le vernis au tampon. C'est l'application de vernis traditionnel encore utilisée et qui... plus que dans la fabrication, est utilisé dans la restauration, réparation d'instruments anciens. Donc un intervenant vient spécifiquement à l'item pour aborder ce sujet-là, du vernis au tampon. Donc là, je voulais passer vraiment dans la deuxième année. Juste un petit détail que je vous rappelle, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que le BMA se déroule uniquement en alternance. C'est-à-dire que l'alternance, c'est sur une fréquence de 2 à 5 semaines en entreprise, suivie de toujours 2 semaines à l'item. Donc, les périodes à l'item se font toujours sur 2 semaines, que ce soit en CAP apprentissage ou en BMA apprentissage. Donc, la guitare acoustique sur le BMA 2 occupe absolument toute l'année de BMA 2. C'est-à-dire à peu près 250 heures d'atelier. Voici le plan, toujours ce même principe. À l'item, on suit un plan donné. Et vas-y, tu peux avancer, Pierre. L'idée, c'est de partir d'une fourniture. C'est un bon plan. Oui, c'est un. Donc, les plans ici sont réalisés par Pierre, qui est professeur de dessin technique. Voilà, c'est pour ça que je le remets. Voilà, et il enseigne au BMA à utiliser les logiciels de dessin assisté par ordinateur.
spécifiquement SolidWorks pour les initiés. Donc c'est pour ça qu'il a un peu de fierté à montrer ses plans. Voilà. La guitare acoustique, vous voyez quelques étapes. On va les présenter comme on a fait pour la précédemment. Vous partez de fournitures, donc d'un manche de pièces qui vont être présentées, j'imagine, sur les photos suivantes. Et là, on voit bien la fourniture, le fond de fond en haut à gauche, avec laquelle les élèves commencent leur fabrication. Donc, il y a le débit des barres, le collage des barres ici sur le fond, tout ce qui est mise à épaisseur, le collage des deux parties du fond ensemble, le couvre-joint de fond à réaliser, à prévoir les encastrements des barres de fond. Voilà, tout ça, autant d'étapes de la fabrication de la guitare. Ici, c'est ce qui est décrit, c'est l'étape des éclisses. Donc, on voit ici le cintrage des éclisses à l'aide de fer à cintrer. On voit aussi les moules à droite dans lesquels sont maintenues les éclisses tout au long de la fabrication de la caisse pour qu'il n'y ait pas de déformation le temps en attendant le collage du fond et de la table. À évoquer aussi les techniques de cintrage. Ici, vous avez la possibilité, mais à mon avis, il y aura des images, d'aborder plusieurs techniques de cintrage, soit à la main, comme ici sur la photo. Il y aura aussi des techniques de cintrage sous vide pour les plaquages de filets, de la fileterie. Et vous aurez aussi la technique de cintrage avec une cintreuse. Mais ça, il y aura certainement des images un peu plus tard. De cintreuse à chaud avec des moules, moules contre moules. La fabrication de la table d'harmonie, donc on apprend à dresser un joint au rabot, coller les demi-tables, on apprend à réaliser deux techniques de barrage. Attention, là, faut bien comprendre ce que je dis, c'est pas très précis ce que je dis, je vais me préciser. C'est qu'on vous avez le choix lors de la... lors de cette fabrication d'une guitare, de fabriquer une guitare acoustique type classique ou bien à corde d'acier type folk. Voilà. Voilà, on va un peu plus loin. Donc ici, présenter la réalisation de la rosace. On débite des plaquages. Excusez-moi. Débit des plaquages, réalisation du cintrage des plaquages, incrustation des pièces de bois, des différentes pièces de bois. Voilà. Pour la suite, donc là, on voit l'étape d'ajustement, d'encastrement des barres de fond dans la couronne d'éclisse et donc le collage qui va avec. Et là, sur la photo en bas à gauche, c'est la dernière étape avant de fermer la caisse. Toutes les étapes de fileterie aussi qui sont présentées ici. Vas-y, tu peux avancer. Je vous laisse profiter du travail, un peu regarder les photos. Oui, merci Pierre. Je vais trop vite. Donc ici présenté sur ces photos la réalisation du manche. Donc vous partez d'une pièce mais qui n'est pas présentée, c'est juste un rectangle, une pièce de section très simple, rectangulaire. Vous partez de cette pièce-là pour obtenir donc la pièce, le manche. Voilà, donc pas mal d'opérations très fines, de sculpture du manche, la tête. Il y a une opération aussi, tout ce qui est la sculpture de la tête, donc fabrication de gabarits, la sculpture du talon ici, l'ajustement du tenon mortaise qui, comme pour les Spall Junior que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a des enjeux très importants sur l'assemblage du corps de la caisse et du manche. Et enfin, la finition, ici c'est la finition c'est des photos de finition de la guitare électrique, mais c'est également une opération réalisée sur la guitare acoustique, bien sûr.
Donc, on apprend à déjà préparer le bois, le poncer, toutes les étapes de ponçage, l'application d'un fondure qui permet de boucher les pores l'application d'un bouche-pore qui permet, comme son nom l'indique, de boucher les pores du bois et de préparer les surfaces. Et ensuite, l'application du fondure, qui est le premier passage au vernis. Et ensuite, l'application d'un vernis soit coloré, soit translucide. Et ensuite, l'application d'un vernis de finition, soit mat, soit brillant, selon les cas. Ici, présenté ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a un module d'initiation à l'application de la gomme laque, donc vernis au tampon, vernis traditionnel. Donc l'idée est d'apprendre différentes techniques de vernis au tampon, du bouchage des pores avec la ponce, donc le bouchage des pores traditionnel, et enfin l'application traditionnelle à l'aide d'un tampon, de la gomme laque et d'alcool. Les réalisations terminées des élèves de BMA2 d'il y a 2 ans. C'est une année où ont été utilisées pour les caisses du frêne, donc des espèces locales. Voilà. Et là, ce sont 3 folles qui ont été réalisées cette année-là. Parce qu'il y avait 3 élèves. Ici, c'est une année précédente, où ça, c'est les guitares classiques de l'année précédente, de celles qui ont été présentées sur la photographie précédente. Mais arrivé. Et donc voilà, je vous laisse observer les différents détails, les rosaces, où on peut avoir quelques choix différents selon les élèves. Les têtes aussi, les élèves réalisent le design de leur tête. Mais sinon, le plan de la caisse, les diapasons et la plupart des codes sont celles des plans donnés. Voilà, et la tête, donc, ils la font sur SolidWorks. Et après, ils présentent leur proposition au formateur technique qui dit oui, c'est bien, ou au contraire, ah, c'est bizarre, ou voilà, enfin bon, c'est le fruit d'une réflexion. Mais l'idée, c'est qu'ils la composent complètement, et puis après, ils en font un plan, et à partir du plan, ils la réalisent. Là, c'était il y a 2 ans, il y a eu un jumelage enfin, qui a été plus développé lors de cette année-là avec le Conservatoire du Mans. L'idée était que les élèves du Conservatoire du Mans viennent voir les guitares en cours de fabrication ici à l'ITEM et en même temps les apprentis luthiers ici de BMA2 allaient voir les répétitions de la classe de guitare de Conservatoire du Mans. Et l'idée, ça a donné lieu à un échange très riche entre les deux domaines, soit entre la musique et la fabrication des guitares. C'était aussi l'occasion de présenter sur cette année-là les guitares qui ont été réalisées avec des essences locales, pratiquement entièrement locales. Donc du frêne pour le fond et les éclises, beaucoup. Il y avait du noyer également, il y avait de l'érable. Il y avait aussi une petite entorse, c'était du tamarin de Réunion. C'est français, mais pas trop local, mais qui donne des résultats excellents en tout cas. Et ce qui est vraiment très intéressant à travers ces expérimentations, c'est de se rendre compte que entre une guitare faite avec des essences exotiques plus traditionnellement utilisées dans la fabrication des guitares acoustiques, eh bien, on obtient des résultats similaire, en tout cas très difficile de percevoir la différence entre ces différentes dites traditionnelles exotiques et des essences locales. Tout ça dans un contexte, bien sûr, vous sous-entendu de difficultés d'approvisionnement et surtout de pression sur les espèces exotiques qui rencontrent un certain nombre de problèmes. Et en haut à droite, là, c'est Bertrand Moguerou qui est luthier, installé à côté de Tours et qui s'occupe des BMA2 en atelier. Voilà. Là, c'est toujours ce qui est présenté. Je vous précisais, vous inquiétez pas. C'est que je vous ai parlé de ces expérimentations. L'idée, c'est lors d'une soirée spéciale, et il y a eu des
comparaison à l'aveugle de différentes guitares, soit faites en essence exotique, soit celle de la réalisée par la classe de guitare. Enfin, d'ailleurs, il y avait certaines guitares qui étaient réalisées en essence exotique, je crois. Alors, non. Non, il y avait sa guitare à lui. D'accord. Et autrement, c'était tout en bois locaux. Et l'idée était de savoir si, oui ou non, on percevait des différences entre les différentes guitares réalisées avec des essences différentes, premièrement, et ensuite savoir si on préférait l'une de ces guitares, et puis ensuite de savoir encore mieux s'il y avait vraiment une différence notable entre les essences faites les guitares faites avec des essences exotiques ou des essences locales. Et ces expérimentations sont pas nouvelles, c'est pas la seule fois que ça a été fait. Il y a des différentes écoles à travers l'Europe. C'est un projet bien plus important que juste à l'ITEM, celle réalisée à l'ITEM. L'idée étant il y a d'autres expérimentations justement qui ont montré que il y a d'autres possibilités, d'autres essences de bois qui peuvent être utilisées en lutherie qui sont aussi bien que celles traditionnellement utilisées comme le palissandre indien notamment, et ça marche aussi bien. L'idée c'est un peu d'ouvrir un peu la lutherie à l'utilisation d'essences nouvelles et par extension aussi locales si possible. Ça se termine. Ouais, je m'y attendais pas. Non, moi non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait... Juste pour vous préciser que c'est particulier de faire des portes ouvertes comme ça en visio, c'est pas très facile. On préfère beaucoup les faire en présentiel, bien sûr, parce que ça vous permet de vous promener à l'intérieur de l'établissement, de voir les élèves qui y travaillent. Ça vous permet d'échanger avec eux, ça vous permet éventuellement de toucher un petit peu du doigt ce qu'ils font. Et voilà, donc on espère vraiment pouvoir en faire une le 22 janvier, mais évidemment, là, c'est sous réserve de la Covid. Sachez en tout cas que si vous venez ici, si on peut faire cette porte ouverte, c'est vraiment beaucoup plus riche, quoi, parce que là il y a un échange. Alors, excusez-nous si c'est un petit peu rapide tout ça, mais voilà, on va essayer de maintenant répondre à vos questions si vous en avez. Les candidatures pour ceux qui veulent faire les temps pleins, elles sont acceptées à partir du 20 décembre. Pour l'apprentissage aussi. Ok, très bien. Donc tous les dossiers de candidature seront reçus à partir du 20 décembre. Et ouais. J'imagine que c'est un sujet de toute manière qui va être évoqué très largement demain pour tout le côté administratif, candidature, les différences temps plein, apprentissage. Voilà, toutes ces questions-là, vous inquiétez pas. Il y aura cette réunion demain qui sera spécifique à ce sujet-là. Voilà. Donc, peut-être si on va se limiter plutôt aux questions techniques, déroulement de la formation, programme, et aussi, surtout, ce que j'aimerais faire avant tout, si ça ne vous dérange pas, juste parler du métier plus généralement. On aurait dû commencer par là, je pense, avant de présenter le... Oui, mais c'est la fin de journée aussi. Hein. On est allé un peu vite. Puis, comme disait Pierre, c'était un peu, c'est un peu difficile quand on n'a pas le regard des gens et que c'est pas très, il y a pas de regard, il y a pas de questions, il y a pas d'interaction. En tout cas, pour l'instant, c'est difficile de faire cet exercice, ce monologue. En tout cas, j'espère que c'est clair pour l'instant. Et voilà, petit aparté avant de partir sur les questions, juste parler du métier. Le métier peut se pratiquer dans plusieurs structures. Il y a d'abord au sein des magasins qui ont de plus en plus un service de réparation, donc qui proposent des prestations multiples. Et d'un autre côté, les luthiers, donc les artisans, qui sont installés à leur compte, mais dont l'activité principale n'est pas la vente, mais bien la réparation, la maintenance, le réglage et peut-être la fabrication. Il faut savoir que le cœur du métier, à la fin de la formation, en tout cas, quand vous vous installez, et la plupart des luthiers qui sont installés
sur ce métier. Ils font d'abord la réparation, la maintenance, le réglage. C'est vraiment la colonne vertébrale du métier. C'est ça qui fait, qui est l'activité principale du luthier. La lutherie guitare est une niche, et il faut savoir que la fabrication est une niche dans la niche qu'est la lutherie guitare. Aujourd'hui, le nombre de luthiers qui vivent exclusivement de la fabrication des guitares, ça se compte à peu près sur les doigts des deux mains. Et même ceux qui font beaucoup de fabrication, peut-être une douzaine, une vingtaine de guitares par an, ils y font aussi de la réparation, ils reçoivent de la clientèle pour de la maintenance, du réglage, etc. Voilà. Je reviens sur les deux domaines où on pratique ce métier, donc le magasin et les ateliers de lutherie, les ateliers d'artisanat. Dans les magasins, il y a des opérations très multiples. Ça va les opérations qui peuvent être réalisées vont du changement de corde à des opérations de réparation, de frettage, des opérations plus complexes comme celle-ci, et voire de vernis. Mais ça, c'est des cas particuliers. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vernis au sein d'opérations de vernis réalisées, assurées par les magasins. Voilà. Mais c'est dans les magasins qu'on va retrouver le plus de techniciens, de professionnels du métier de la lutherie, en tout cas des gens formés dans notre école. Et c'est ici qu'il va y avoir un maximum de débouchés, et aussi, je parle de débouchés après la formation, mais aussi en formation pour ceux qui cherchent un apprentissage. Il ne faut surtout pas minimiser l'importance de ces magasins. Attention, en tout cas, je ne pense pas que ce sera évoqué demain, mais pour ceux qui sont en recherche d'apprentissage et qui sont à la recherche d'un magasin, d'un employeur, il faut bien se renseigner sur les opérations qui sont réalisées dans ce magasin, au sein de l'atelier du magasin. Quelles sont les opérations réalisées? Vous savez maintenant ce qui est abordé tout au long de la formation. Si on vous dit on fait réglage de truss rod et changement de corde, c'est peut-être pas très intéressant de retenir ce magasin pour réaliser l'apprentissage. Par contre, d'un autre côté, il va y avoir des magasins, comme je vous disais, qui offrent la possibilité de voir beaucoup plus d'opérations, des choses plus complexes, des réparations de fractures de tête, recollage de chevalet, des planifications, des réglages avancés, de la fabrication de sillets, et éventuellement même peut-être des frettages. Et là, ça devient très intéressant de postuler, d'orienter vos recherches vers ces structures-là. Mais attention, posez bien les questions à ces structures-là. Il faut savoir que la formation en apprentissage, en alternance, il y a bien sûr ce qu'on apprend à l'ITEM lors des sessions d'atelier, mais il y a aussi tout l'aspect, vous passez à peu près 2/3 du temps en fait en entreprise. Donc si l'entreprise n'est pas très intéressante, vous perdez une grosse partie de l'intérêt de la formation. Voilà, ayez bien ça en tête. En tout cas. On va commencer à répondre aux questions là, qui nous sont arrivées. Tu voulais préciser, non? J'étais exhaustif. Oui. Donc, on va les prendre dans l'ordre où elles apparaissent. Et puis, il y a deux personnes qui ont levé la main. Là, on les prendra après. Alors, j'étais sur la première. Il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait utiliser du buis. Bon, oui, mais pour faire quoi? Je veux dire, ça peut être les filets, ça peut être pour le travail de filetterie, mais ça va se limiter à ça. Le buis est une essence de bois. En tout cas, les sections sont assez restreintes. C'est toujours maximum. Si vous trouvez du buis éventuellement de 400 ans, peut-être qu'on peut imaginer faire des choses qui relèvent d'une guitare, parce que c'est des sections assez importantes. Mais là, c'est surtout effectivement le buis, ça va être pour de la filetterie, un plaquage de tête, une incrustation de rosace, ce genre de choses. Voilà, il n'y a pas de maquette de fabriquer en fin de formation, comme chez les compagnons. Là, l'idée, c'est de fabriquer des guitares directement, quoi. Voilà. Les entreprises, alors là, les entreprises, c'est ça le filtre principal. Trouver une entreprise, il faut vous déplacer, il faut les rencontrer, comme disait Étienne, il faut voir ce qu'ils font, voir si vous y sentez bien, voir si ça correspond à ce que vous voulez faire, et puis après,
Après, bah, c'est à vous de séduire le luthier. Et puis, bah, voilà, enfin, c'est vraiment. Il y a tellement de demandes pour si peu de candidats que c'est pas facile. C'est vraiment la partie la plus difficile. Ouais, je voudrais faire un parallèle entre l'entrée en CAP apprentissage en alternance et l'entrée en CAP temps plein. En temps plein, vous pouvez vous dire, ouais, il y a une sélection, dossier, entretien, c'est, il y a, bon, il y a, je sais pas, il peut y avoir selon les années de jusqu'à 60, même plus candidats, et puis sont retenus que 12 personnes, puisqu'il y a 12 places chaque année pour la formation en temps plein. Mais d'un autre côté, en alternance, c'est pas plus facile puisque chercher un maître d'apprentissage, c'est un peu le parcours du combattant. Parce que dans la lutherie, eh bien, c'est difficile pour un luthier ou une personne, en tout cas dans un luthier type artisan, c'est difficile d'embaucher parce que il faut déjà se tirer un salaire pour lui-même et le passage à embaucher quelqu'un. C'est un saut assez important pour ces personnes-là en termes financiers. C'est un gros engagement financier. Après, il faut toujours que vous ayez présent à l'esprit que pour aller en BMA, donc c'est en alternance, et que le meilleur moyen de trouver une alternance, c'est déjà d'être en alternance en CAP. Parce que pendant 2 ans, vous faites la main, vous avez un rythme professionnel, vous avez un réseau qui se crée, et vous avez en gros 2 ans pour faire vos preuves. En temps plein, c'est plus délicat, vous n'avez que 2 périodes de stage de 6 semaines chacune pour arriver à convaincre un éventuel luthier de vous prendre en BMA derrière. Donc ça aussi, il faut que vous l'ayez en tête, quoi. Quel est votre projet final? Et pour maximiser les chances d'entrer en alternance, ou même peu importe dans le métier, c'est vrai qu'une formation d'un métier technique, pas forcément de l'ébénisterie, il y a vraiment plusieurs, on peut avoir plusieurs entrées pour ça. En tout cas, une formation technique ou manuelle ou d'ébénisterie est souhaitable, pas forcément pour nous, mais vraiment pour séduire un éventuel employeur d'embaucher et comme ça permet de donner de convaincre qu'on sera efficace, qu'on a déjà un bagage technique, qu'on sait utiliser les outils et en tout cas qu'on assurera un minimum de rentabilité à l'éventuel employeur. Voilà, ça c'est si vous voulez faire de la vitrine. Par contre, si vous voulez travailler en magasin, une formation de vendeur est très appréciée. Et voilà, ça peut permettre à des personnes qui ont fait le bac pro, par exemple, ou autre, d'aller dans un magasin de musique et puis de faire un apprentissage. Et donc, ils associent le côté vente et le côté réparation. Et ça, c'est vraiment porteur. Pour parler statistiques, ceux qui sont passés par une formation vente ici à l'ITEM ou ailleurs, hein, puis ont fait le CAP, les taux d'insertion sont quasi à 100%, hein, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, l'employabilité dans le en enfin, il y a plus de facilité de trouver un maître d'apprentissage ou des emplois dans le domaine des magasins de musique. Avoir la double casquette de vente et de technicien est extrêmement recherché. Est très apprécié par les magasins de musique. Tout ça dans un contexte où la concurrence d'Internet est très agressive et donc les magasins ont besoin de se diversifier et de proposer ce type de prestations pour se différencier et donner quelque chose en plus par rapport aux vendeurs en ligne. Alors, on continue. Le CAP et le BMA sont-ils faisables en formation continue? Le CAP, oui, c'est le temps plein, en fait. CAP temps plein, c'est quand vous êtes 9 mois ici, mais pas le BMA. Pas actuellement, en tout cas. Mais attention, ce n'est pas une formation continue par modularisée sous forme de stage. Hein. C'est une formation qui peut se faire financer, mais attention, qui dure 9 mois. Il faut être ici pendant 9 mois. Ouais. Si vous n'êtes pas pris en BMA la première fois, bien sûr que vous pouvez repostuler la fois suivante. Ça, c'est pas un problème. Même chose pour la formation temps plein. Ça nous arrive des fois d'avoir des personnes qui remplissent tous les critères, mais on n'a plus de place.
Donc, dans ces cas-là, on leur dit, bah, écoutez, si vous voulez, revenez l'année prochaine ou repostulez et vous avez des chances, quoi. La formation du BMA, on n'a jamais pour l'instant refusé personne en BMA. C'est souvent des effectifs plutôt petits. Mais juste cette année où on a 19 personnes en CAP2, bah voilà, peut-être qu'on sera dans cette situation pour la première fois. Je te laisse celle-ci, là. Alors les opérations, spécifiquement sur la basse, ici on a des basses proposées sur lesquelles on peut travailler. Mais les opérations qu'on voit sur les basses, on les voit à travers celles qui sont faites sur les guitares. C'est exactement les mêmes principes. C'est juste qu'il va y avoir des codes, des petites choses sur lesquelles il faut s'adapter sur la basse. Mais les principes sont exactement identiques à ceux de la guitare. Donc, ils sont vus, mais pas directement forcément pratiqués à l'établi. Mais ils sont vus, ça sans problème. C'est pas du tout un problème, ça. Créer son entreprise de lutherie. Attends, Pardon, excuse-moi. vas-y. Pour la pratique de la guitare, Ah oui. voilà, de toute façon, vous destinez à un métier autour de la guitare et la plupart du temps, de toute façon, les luthiers travaillent et sur des basses, bien sûr, mais avant tout sur les guitares. Donc, jouer sur une guitare, c'est quand même un plus pour pouvoir essayer, se mettre à la place du client et essayer la guitare pour repérer les éventuels défauts. Oui, bien sûr, c'est un travail à réaliser, oui, mais ça viendra, ça sans problème, à travers la pratique du métier. Alors, créer son entreprise et être alternant de sa propre entreprise, ça me semble difficile. Vous pouvez aussi être client de votre propre entreprise, mais là, ça commence à faire beaucoup, peut-être. Je pense pas, hein, je pense pas. Mais c'est ce genre de questions, vous pourrez les poser demain, sans problème. La possibilité d'utiliser du palissandre, oui, il y a du palissandre ici, oui, qui est utilisé. Il y a du palissandre utilisé ici. Je pense peut-être que ça fait référence à des dispositions qui ont été prises par le CITES, par les organisations internationales sur la commercialisation des espèces exotiques. Là, il y a une exemption en fait des instruments de musique de cette disposition CITES. Donc, c'est-à-dire, il y a la possibilité, enfin, des facilités de commercialisation et d'utilisation des espèces de bois exotiques dans la lutherie. Dans les instruments de musique spécifiquement. Donc, à l'ITEM, on a des stocks et toute façon est fait légalement avec les autorisations. Ça, il n'y a aucun problème. Et on est très au fait de la législation par des interventions de spécialistes et aussi par notre lien avec les organisations syndicales de la facture instrumentale. Donc, ça, il n'y a aucun problème en tout cas sur l'utilisation des espèces exotiques. L'alternance à l'étranger. Alors, il faut distinguer les temps pleins qui peuvent faire un stage à l'étranger dans l'Union européenne. Mais Même, alternance pour même. l'instant, c'est pas pour. Pardon? Pour l'alternance, je pense qu'il faut poser cette Pas question pour demain. l'alternance, non. Même l'année prochaine. Hein. D'accord. Excusez-moi, je Parce que en fait, j'interroge. il faut que l'employeur cotise en France pour pouvoir. Pour pouvoir avoir un apprenti. Le nombre de places pour la classe de CAP en alternance. Normalement, elle est limitée à 12 personnes. Elle est limitée à 12 personnes. Mais en lutherie, comme je vous disais, c'est tellement difficile, c'est tellement un parcours du combattant de trouver un maître d'apprentissage qu'on atteint rarement ce chiffre. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat. On va aller chercher les mains levées. Alors, Adam. Il va falloir ouvrir votre micro pour qu'on ait Bonsoir, vous Oui, m'entendez? on vous Oui. entend. Attendez, je vais essayer de monter le son. OK. Allez-y. Ouais, c'est bon, vous m'entendez bien? Je suis là. Oui. OK. Alors, moi, je voulais demander. Je suis passé au Festival Guitare à Paris, donc je vous ai posé des questions, tout ça. Et vous m'avez déjà conseillé de chercher, du coup, un luthier pour l'alternance, pour être mon maître d'apprentissage. Et en fait, ce qui pose problème au luthier, j'ai déjà essayé d'appeler dans quasiment toute la région parisienne et dans plusieurs grandes villes. Et en fait, la plupart des luthiers, bah, en fait, soit ils n'ont pas de place,
Ou soit, comme vous l'avez dit précédemment, en fait, pour les magasins, en fait, ils diront que c'est pas intéressant parce que bon, changer les cordes, je pense pas que ça soit très intéressant. Donc voilà, donc on a déjà cherché. Donc est-ce que vous, à l'ITEM, vous avez des luthiers, par exemple, qui proposent du coup d'être maître d'apprentissage et que du coup vous pourrez redistribuer nos candidatures à ces luthiers? Alors, ce qui se passe habituellement, c'est que vous envoyez un CV, une lettre de motivation ici, et quand nous, on a des demandes de luthiers ou de magasins, on envoie tous les CV qu'on a reçus, et puis après, c'est le magasin ou le luthier qui fait son choix, mais on ne peut pas se permettre. Attendez, on me parle. Le site emploi, ouais, le site emploi sur les pages de l'ITEM que vous pouvez consulter. D'accord. Et est-ce que ça se fait beaucoup des luthiers qui viennent vous demander des alternants? Non, c'est pas. On va pas dire beaucoup, mais ça Non. arrive. Mais D'accord. ça arrive beaucoup. Ouais. Ok, Ouais, parce que d'accord. quelqu'un qui prend un artisan, c'est un milieu artisanal, hein, donc quelqu'un qui prend un apprenti pour 2 ans, en général, il souhaite le garder après. Et voilà, il en prend un, il va pas en prendre comme ça pléthore, quoi. D'accord. Et je devance une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que l'ITEM délivre des listes des professionnels pour effectuer cette recherche? Et la réponse est non, parce que les luthiers sont extrêmement sollicités par les demandes comme certains d'entre vous font. Et du coup, ils ne souhaitent pas qu'on diffuse cette liste parce qu'ils sont déjà extrêmement sollicités avec des demandes de mail, de rencontres, de coups de téléphone. Voilà. Donc, ça n'empêche pas qu'il faille que vous fassiez ces démarches de votre côté. Mais voilà, nous, en tout cas, nous ne délivrons pas de liste d'annuaires des luthiers en France. D'accord, ok, je vous remercie. De rien. Alors, Red. Est-ce que Oui, tu... bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Thomas Pouyane. Et je vais te demander, en deuxième année du coup de BMA, est-ce que on conçoit nous-mêmes le plan de la guitare acoustique qu'on va Non, faire? non. Et est-ce qu'on a le choix des essences? Le choix des essences, Ça dépend ça des peut. années, mais... En tout cas, si une année, c'est on dit qu'il n'y a pas de choix, il n'y a vraiment pas de choix. Enfin, là, Ok. cette année particulièrement, là, c'est que on est sur une fabrication en palissant. Donc, il y a toujours des, on expérimente un tout petit peu chaque année. On a présenté tout à l'heure une année où on expérimentait sur les essences utilisées, donc on a essayé plein de choses. Ok. Mais les années précédentes, c'était du frêne, les 2 années précédentes, et cette année, on est revenu sur du palissandre indien. Les expériences qu'on a réalisées, donc les petites ouvertures qu'on s'autorise, là, c'est une expérimentation sur la sculpture des barres de guitare folk. Donc, il y a 5 guitares qui sont faites avec un type de sculpture de guitare folk sur les barrages. Et puis, sur les 5 autres, ce sera un autre type de sculpture des barrages. Voilà. Donc, Voilà. Et... chaque année, il y a un thème et on se limite à ce thème-là. D'accord. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire dessiner votre instrument, c'est que imaginez qu'il y ait 10 personnes avec 10 guitares différentes, ça veut dire des moules différents, ça veut dire réfléchir à toute la conception et on n'a absolument pas le temps, quoi. C'est déjà très très serré. À chaque fois que les gars finissent, enfin les gars et filles, finissent un instrument, en général, c'est. Enfin, ça, vous allez peut-être penser que j'exagère, mais c'est quelques heures avant la fin de la formation. C'est avant la fin de avant de présenter ces instruments, de toute façon. C'est vraiment hyper, hyper serré. Ça marche. Je vous Voilà. remercie. Non, mais je vous en prie. D'autres questions? Soit par le chat ou de vive voix. Oui. Désolé, j'ai re une autre question, j'avais oublié, j'avais une deuxième question. Est-ce que je me disais aussi, est-ce que vous pensez que c'est pas, enfin, que c'est pas un peu tôt pour les luthiers maintenant de choisir pour du coup 2022-2023? S'ils prennent un alternant ou non, s'ils peuvent se le permettre, ou parce que j'ai déjà appelé des luthiers, par exemple, qui avaient déjà des alternants de l'ITEM et ils ne savaient pas si l'année prochaine ils allaient continuer le BMA ou pas. Et du coup, est-ce que peut-être vous pensez que les réponses seront pas plus favorables, mais ce sera plus simple de trouver un luthier plus vers par exemple mars-avril 2022?
que maintenant. Moi, ce que je conseille, c'est de dire qu'il est jamais, il est jamais trop tôt, d'accord. Il faut s'y prendre, et puis même si vous avez un contact dès maintenant, essayez de conserver ce contact, c'est-à-dire rester téléphoner de temps en temps, aller voir, prendre des conseils, etc. Si vous sentez qu'il y a quelque chose un contact qui s'établit, même humainement, hein, souvent c'est comme ça que ça se fait, c'est qu'humainement on sent qu'il y a quelque chose. Les luthiers sont très sensibles à ça et ils aiment bien se dire, ben voilà, je vais travailler dans les petites structures comme ça. Eh bien, si à la base il est tout seul, avoir une personne en plus, eh bien c'est déjà un gros changement. Donc, et dans les structures, je ne sais pas, 20, 100, 50 mètres carrés, 100 mètres carrés pour les mieux équipés, eh bien, c'est important d'être avec une personne avec laquelle on se sent bien, quoi. Mmh. Et en tout cas, j'imagine aussi que vous sous-entendez, vous parlez un peu de du Covid et il y a beaucoup de choses aussi. C'est ouais, que, ça n'aide pas. Et ça aide pas, c'est que les luthiers, en tout cas, moi je suis formateur, je suis référent des CAP en apprentissage, je suis tout le temps en contact avec les maîtres d'apprentissage, avec les gens de la profession, et ils disent, mais même si pour l'instant j'ai énormément de boulot et je pourrais faire bosser un apprenti, eh bien je peux pas m'engager maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit, et il faut c'est pas un problème de chercher dès maintenant. Mmh. Voilà, il faut. D'autant que le contrat peut être signé avec l'entreprise, c'est 3 mois avant, je crois, de la rentrée. Et ça peut aller, ça veut dire que vous pouvez signer un contrat en juillet et jusqu'en octobre, novembre pratiquement. Ah d'accord, donc ça veut dire que notre candidature à l'ITEM, elle peut être validée avant même d'avoir un contrat avec un luthier en fait. Limite. Oui, mais ça servirait à rien. Oui, bah oui, je me doute. Mais c'est ce que je me dis, peut-être, par exemple, il y a, je sais pas, une dizaine de candidatures validées et que bah, sur les 10, bah, tout le monde n'ait pas trouvé un maître luthier avant la fin de l'année, quoi. Oui, mais pour que votre candidature soit validée, il faut que vous ayez un maître d'apprentissage. Donc ça veut dire que ça peut se valider sur les derniers mois. Oui, oui, complètement. D'accord. Complètement. Okay, okay. Il y a des gens qui vont chercher longtemps. Quand je dis longtemps, c'est vraiment longtemps, aux portes ouvertes dont je parlais tout à l'heure. On a vu des jeunes qui venaient 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis finalement, ils trouvent. Il faut être prêt à bouger aussi. Hein. Oui, je me dis. Ouais. C'est ce que j'ai déjà fait. Bon, c'est bien. Ok, bah, je vous remercie. À tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Pas d'autres questions ? Non ? Ben écoutez, je ne sais pas, est-ce que tu anticipes des questions, des choses qui sont souvent évoquées ? Non. Voilà, en tout cas, pour je redis la chose, c'est qu'il faut absolument chercher absolument un maître d'apprentissage. Si vous êtes en recherche d'un apprentissage, il faut chercher partout et ce n'est pas une mince affaire. C'est vraiment un engagement de tous les jours. Et il faut savoir que c'est vraiment, pour les plus jeunes, là c'est juste un détail, pour les plus jeunes, il faut vraiment prendre ça comme une recherche d'emploi. C'est vraiment ça, c'est pas plus ni moins que ça, une recherche d'emploi. Okay. Donc, oui, voilà, un CV, une lettre de motivation, convaincre, rencontrer des gens, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ok, il y a une personne qui a posé des questions par rapport au stage court, là, à 2 reprises. Le stage court, c'est vraiment... complètement différent. C'est un stage qui va être sur 2 jours, 3 jours, avec un thème bien particulier, l'optimisation d'un instrument ou alors sur l'électronique ou ce genre de choses. Et donc, ce stage n'est absolument pas qualifiant. Et il faut déjà avoir un minimum de compétences pour arriver là. Voilà. Moi, il y a d'autres questions qui viennent encore. Y a-t-il plus de chances de trouver une entreprise en dehors de l'Île-de-France ? Il y a des entreprises en Île-de-France, il y a des entreprises en province également. Mais si vous êtes... Il n'y a pas forcément plus de chances. Là, actuellement, je dois avoir deux entreprises sur Paris qui sont maîtres d'apprentissage, voire peut-être 3. Et puis, ça tourne, ce n'est pas tout le temps les mêmes d'une année à l'autre. Voilà, et puis il y en a aussi en province, un peu partout, vraiment partout, ça peut être partout. Il y en a même eu en Corse. Oui,
Deux fois. Deux fois. Par rapport, Vincent, là, par rapport, vous avez 20 ans, est-ce que vous pouvez faire cette formation? Donc, la tranche d'âge, ça va, cette année, la personne la plus âgée à 55 ans et la plus jeune, 21 ou 20, 22 ans. Voilà. Il faut imaginer que en formation temps plein, c'est souvent des reconversions. Donc, on peut avoir des personnes, vous voyez, qui ont des parcours professionnels différents. Cette année, on a ingénieur, plombier, des gens qui sortent des études, ex-musicien, on n'en a pas cette année, ex-chimiste. Voilà, enfin, il y a des parcours qui sont vraiment, vraiment divers. Mais 20 ans, c'est bon, hein. 20 ans, c'est impeccable. Contactez l'AG. S'assure de concerter. L'AG, je ne suis pas sûr qu'ils aient des productions encore en France. Hein. Ils ont été rachetés par Algam. Et je suis. Non, je crois qu'ils n'ont plus de production en France, en fait. Ils ont même cherché à revendre leurs machines, leur stock de bois, etc. etc. Donc, l'AG en France, pour l'instant, peut-être qu'ils vont lancer un jour la marque en France, je ne sais pas. Ça, c'est Algam qui décide ça. Mais pour l'instant, c'est des guitares qui sont réalisées en Chine. Oui, ils vont juste faire les réglages. Là. Il y a eu des fabrications françaises de l'AG. Ça s'est arrêté avec le rachat de l'AG par Algam. OK. Mais ça peut être des productions industrielles, mais là, le truc, c'est qu'en France, je suis un peu... Ouais, là, je ne vois pas, là. Des productions industrielles en France, il y a des productions semi-industrielles, mais est-ce que c'est encore... C'est des petites séries, quoi. Là, je pense à Tom Marceau dans les... en Ille-et-Vilaine. Il y a peut-être Vigier en région parisienne. Il y a Dupont qui fait des petites séries aussi, mais c'est pas de l'industrie. Non, il y a pas en France. Hein. Peut-être que j'oublie quelque chose, un truc nouveau, mais là, c'est pas ma connaissance. Voilà, je viens de parler de Vigier pour la remarque qui m'est faite dans les messages. Oui. Christophe Huor. Christophe Huor, bah, faut le rencontrer. C'est le même principe que n'importe quel luthier. On répondrait à aller le voir et peut-être qu'il prend des gens. Christophe a travaillé ici. Il a été responsable de la section pendant quelques années. C'est quelqu'un qui travaille très, très bien. Très, 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 très bien. Maintenant, il est installé. Je crois qu'il est tout seul. Et puis voilà, il est spécialisé dans les basses. Mais je pense pas qu'ils prennent du monde. Mais bon, il faut essayer. Mais ouais, je vois la remarque de dommage, ça aurait pu être plus facile pour la recherche. Mais c'est vrai que dans d'autres sections, comme les vents surtout, il y a beaucoup d'apprentis chez des grands fabricants tels Selmer et Buffet Crampon à Mantes-la-Ville en région parisienne. Mais en guitare, il n'y a pas cette production-là. Il n'y a pas ce type de production en guitare. C'est un instrument... ouais, quel est là ? Alors, les CAP en alternance, c'est vrai qu'ils sont souvent... la tranche d'âge, bah ça tourne beaucoup autour de 20, 21, 22 ans. Les plus jeunes, on a eu des apprentis de 15 ans. Donc, pour vraiment les plus jeunes. Mais voilà, je reviens toujours sur convaincre un maître d'apprentissage. Quelqu'un de 15 ans est-il suffisamment mûr pour rentrer dans le métier? Bon, ça, c'est au maître d'apprentissage, au luthier, au professionnel d'en décider. Et c'est vrai que aussi, vous allez évoquer ça demain aussi pendant la réunion, mais à partir de 25 ans, le salaire de l'apprenti n'est plus vraiment intéressant pour le maître d'apprentissage. On se rapproche d'un salaire d'un SMIC
d'un SMIC entier, donc à 100% pratiquement. Voilà. Ça, et quand c'est à moins de 20 ans, moins de 18 ans, c'est le salaire à débourser par le maître d'apprentissage se situe autour de 400 euros. Et quand on atteint toute charge comprise. Et ensuite, pour les plus âgés, 25 ans ou plus, on arrive pratiquement à un SMIC. Attendez, ça va trop vite, je remonte un peu. Donc oui, les luthiers sont plus réticents à prendre des apprentis plus âgés, mais après, voilà, ça va avec la maturité, avec l'expérience, avec une certaine facilité, en tout cas habitude du travail manuel. Voilà. Un luthier du Quatuor, pourquoi pas, ça s'est vu, hein, ça s'est vu. Mais sachant qu'il n'y a pas d'alternance dans le milieu du Quatuor, c'est surtout réalisé à l'école du Mirecourt avec une énorme, avec une grosse sélection. Il y a énormément de demandeurs à l'école de Mirecourt et très peu d'élus. Je crois que c'est une douzaine de places. Et il n'y a pas d'alternance. Donc parfois, on a eu des personnes qui voulaient faire du Quatuor, qui n'ont pas été reçues à l'école de Mirecourt et qui sont passées par là. Il y a eu combien? Deux? Trois? Personne, non, deux personnes, une personne il y a 12 ans peut-être, 12-13 ans qui a fait, qui était dans une entreprise du Quatuor, et puis il y a 4 ans maintenant, 4 ou 5 ans, une autre personne qui était dans le Quatuor. Pourquoi pas, c'est possible, mais ça dépend ce que vous... Salut Cédric. Ça dépend ce que vous voulez faire plus tard, quel est votre projet professionnel. Si vraiment vous êtes attaché au Quatuor, pourquoi pas, ça peut être une porte d'entrée. Sachant qu'il y a aussi une personne qui était spécialiste de la harpe, qui voulait se lancer dans le milieu de la harpe, sachant qu'il n'y avait pas de formation dans la harpe, et a fait la formation temps plein, puis BM à guitare, en ayant une entreprise spécialisée dans la harpe, et qui a eu son BM à guitare, et voilà, c'était sa porte d'entrée. Par hasard, la liste des anciens élèves, ben on a forcément la liste des anciens élèves, mais je ne sais pas si on la communique, je ne sais pas ce que vous voulez en faire. Ce serait dans quel but? C'est là l'avantage, vous voyez, des portes ouvertes en présentiel, c'est que vous discutez avec les élèves et vous avez leur retour. Pas simplement notre avis à nous, mais aussi le leur. Et ça, c'est beaucoup très enrichissant. Pour les rencontrer, bah oui, mais à travers la France. Bah en fait, c'est les professionnels, pour beaucoup. Les anciens élèves. Oui, aussi. Ah oui. Mais il y en a de plus en plus, hein, des professionnels dans les magasins, notamment. Mais après, donner la liste, moi, je prends pas cette responsabilité-là, de toute façon. Donner une liste. Non, c'est des informations qui sont données. Enfin, si on les donne, c'est avec l'autorisation des personnes concernées. Donc ça, c'est quelque chose de toute manière qu'on ne fera pas. Mais voilà, vous les rencontrerez au hasard de vos recherches dans les magasins et dans les ateliers du tri. Autre question. Oui, bonsoir. Voilà, bah écoutez, si c'est fini, on va arrêter là. J'espère que ça n'aura pas été trop pénible pour vous. Et puis qu'on vous verra soit des portes ouvertes, soit lors de sélection. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et puis merci d'être resté avec nous. Bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir.